Eh bien salut tout le monde, c'est le Fugitif 91, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Sword Art Online. On est parti justement sur la version officielle du jeu avec la suite de la démo bien entendu que j'avais fait. Forcément il y a eu des petites améliorations entre ce que j'ai fait la dernière fois et maintenant. Donc j'ai retourné la démo, j'ai presque 50 heures, j'ai énormément de points de compétences et tout ça. J'ai même malheureusement fait aussi toutes les armes que je pouvais accéder, mais il n'y avait pas les armes que je voulais jouer, donc pour l'instant ça sera à l'arc qui est quand même au-dessus des autres. Mais j'avoue que j'ai bien envie de jouer à la faux quand même. Donc du coup on est parti pour la suite de l'histoire. J'avoue que ça va être trop bien. Alors c'est parti, on y va tout de suite. On est enfin parti pour la suite de l'histoire. Alors attention, on va marcher par ici. Ok, donc ça fait des années que personne n'a emprunté cette route. On aurait pu arriver plus vite en dragon volant, mais bon. C'est vrai, ça aurait été un vrai défi comme mon propre voyage. Le seul moyen qu'on ait. Alors c'est juste, et la ville des échanges n'est pas très loin, d'accord. Donc c'est vraiment bientôt arrivé en ville, c'est cool. Ok, allons-y. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait toujours pas de dialogue. Ou 50 d'XP, je sais pas quoi. Ok. Tu joues l'arc sur Kirito? Oui, pour l'instant, parce que c'était l'arme la plus forte de la démo. Celle qui me donne le plus de l'épaisse, mais en vrai j'ai envie de jouer à la faux moi surtout. Donc l'endroit est trop dégagé, c'était un fort. Je vois, c'est là que menait le chemin. Alors comme tu l'as deviné, c'était un fort bâti par les géants pendant l'âge... Ah d'accord, le sang de fer. Donc c'était l'ère de la lutte de pouvoir, je crois que ce fort a tenu un rôle majeur. Il a subi plusieurs modifications, alors il y a une drôle d'allure. C'est un lieu très ancien, la technologie étrange sur les ions par ici. Donc ça pourrait être intéressant de voir ça de plus près. On découvrira peut-être quelque chose en chemin. Bon bah vas-y, let's go. C'est vrai que les points de compétence, j'en ai un petit paquet quand même. D'accord, donc là... J'ai reçu une boucle d'oreille, d'accord. Alors qu'est-ce que c'est? Un mur? Ça me l'a tout l'air. On dirait une barrière prêt par une invocation. Une incantation plutôt. Mais qu'est-ce que ça sera fait? Ça ferait ici. Les mages noirs qui occupaient ce fort ont sans doute fait ça après la guerre. Ok, donc ce serait une barrière de protection alors. C'est sûrement, il doit y avoir une source d'énergie à proximité. Je vais essayer de la trouver. Non, il faut essayer de la trouver. Bon, on va essayer de trouver ça, pas de problème. Une autre sort a été utilisée afin de cacher la source d'énergie. Mais je ne vois pas l'appareil ici capable de... Ok. Bon, on va aller le chercher, pas grave. Ah, ce serait les piliers comme ça, là? Ah non! Ce serait pas là, la tour en ruine? Un objet magique, mais comment l'atteindre? Bah facile. Je vais le faire avec le fouet tout simplement. Ouais voilà. Ok. Elle paraît magique qu'on recherche. Quoi? Ok. C'est... Alice, est-ce que ça va? Tu es toute pâle? Je vais bien, mais cet appareil... Il est utilisé pour un... Il utilise un être vivant... Quoi? Ah oui, d'accord. Ce catalyseur sert ensuite à alimenter la barrière en énergie. C'est bon, c'est vrai, comment tu peux faire ce qui... Ah, ok. J'ai désactivé l'appareil, mais je pense qu'il y en a d'autres. Oui, ça, je l'ai vu qu'elle avait un autre tout à l'heure. Nous devons tous les trouver et les désactiver. Ok. Du Kirito, ce ne serait pas... Oui, de quoi y aller là-haut, t'inquiète. Ah oui, c'est le truc de la carte. Ah ok, let's go. Ça va me permettre de repérer toute la carte, ça va être cool. Ok, donc là, il est désactivé. Ah, là-bas. Alors, donc ça y est, on a toute la carte. Alors, on les trouvera sur cette marque les plus proches, est à l'est. C'est ce truc là-bas, voilà.
Merde, il me propose ce bloc. Hop, voilà, on désactive. Ok, voilà. Ah, d'accord. Ok, j'avais pas fait gaffe à ça. Il y a un point de téléportation pour aller de l'autre côté, ça fallait le dire, ça. Hop là, l'esquive. Et non. Ah ouais. Ok, c'est bon. Qu'elle se situe au sud, comme ça. À quoi tu penses? C'est bizarre, les sources d'énergie de la barrière sont toutes de ce côté. Elles bloquent l'accès de la direction, il ne peut être que dans l'autre place. Les mages noirs ne font généralement que peu de cas de demi-hommes. Ce ne sont pas des choses à dire à propos du soi-disant allié. Les mages noirs donc ont toujours été comme ça, en tout cas, la piste mène au sud. Bon bah vas-y, on va au sud, hein, pas de problème. Mais c'est bizarre si c'est ça, parce que c'est censé être une quête normale. C'est une quête avec un monstre, quoi. Foutre de ma gueule. Ok. Ok, alors toi mon gars, je vais te tuer. Attendez, ne me dis pas que c'est. Aucun autre possible, la source d'énergie. Ok, mais sa vie est toujours aspirée par la barrière. Nous devons mettre un terme à sa souffrance. Pas de soucis, on va te fumer. Ok, vous avez raison, allons-y. Ça va, ça sort le point de vue. Hop là, j'ai failli faire le 100%, dommage. Ah ouais, mais la mange tout cru. Hein. Dommage. Ok, 30% de dégâts. Allez, s'il vous plaît, on fume avant qu'il fasse son truc. Oh, bah, voilà. Ah la vache, je l'ai exterminé, quoi. Ah, il a pas fait long feu, hein. Donc, j'espère qu'il est libre à présent. J'en suis sûr. Est-ce que ça va? Ouais, ça peut aller. Et toi? Bon, la barrière a disparu, on y va. C'est parti. Ah, les dialogues, il n'y a aucun doublage, quoi. Ça m'en fout, ça, par contre. Ok. On pourra passer et peut-être arriver dans la ville bientôt, là. Ok, voilà le mur, depuis là on peut passer. On a fait un beau détour, mais on peut enfin rentrer en ville. Ah, bah voilà. On y est presque, continuons comme ça. Bah voilà, nickel, si on arrive en ville, c'est cool. Passer le mur et gagner la ville des échanges. Ok. Dommage, tu peux pas prendre le TP comme ça. Ok, une petite amulette de robustesse, ça fait toujours plaisir, et on arrive en ville. Ben voilà, un peu de... On voulait une carte un peu plus grande déjà. Ya,
戦地前の補給所でもある。人海でいう前線拠点と同じ機能か。それにしても活気があるな。ここは特別ですね。十校はそれぞれ領地を持っているので、眷属となる者たちは基本的に。ですが前線前なので種族の区別などない宿場町になっているわけです。ダークテリトリーでも珍しい、多種族同士で交流する特別な町ってことなんですね。すげー、それ懐かしい。いろんな種族がいるっていうのがなんだか親しみあるな。皆様、一直線にオブシディア城へ向かいたいところですが。オブシディア城に伝令を出す件ですな。お任せください。証拠を。何の話ですか。我々を招致したのはそちらでしょう。その実は本来人海に赴く使者は別海難殿にはあらかじめ協力を要請し待機してもらっていましたが、それってもしかしなくても上官さんたちに怒られる案件なんじゃ。それはドロシー、きっと何か理由があったんだよね。はい、人海は我々にとって敵地です。ベルクーリさんが言ってた、リピは。ああ、おい、バイス、テプテテル、おい。ドロシーさん、そんな肩を落とさずに、人海との交渉を見事成功させ、皆さんを追つ。ドロシーさんには商人の素質があります。暗黒騎士団を解雇されたら、うちのギルドにいらっしゃいな。解雇。おや。Ça, c'est le mot qu'il fallait pas dire, je pense. Et tout de suite, et quoi, car le coup de Sna, Minasaniwa, Kotira Karashupas no Koegake au Surumade, Skoshi Taiki Stemorais. Yoroshkeleba, Koegai au Kyoteni, Anko Kayo Mitemarno Moyoito Moimazio. Waheka. Iroiro toi. Sodane. Anko Kai no Kanshuya, Chise no Hito no Krasio, Benkyo Sir Kikani Narkamo.あ、それに和平が結べた時のことを考えると、暗黒界がどんなところでどういう文化があるか調べてまとめておいた方がいいかもな。確かに、交流することになるんだし、暗黒界をよく知る人間を作るべきだよね。というか僕らがなるべきなんだ。はい、ではそういうことで、皆さんの拠点となる場所は手配済みですのでご案内。ドロシー、大丈夫だって。上の人に怒られそうになったら俺がちゃんと説明するよ。ドロキリト、いえ、これは召喚自身の落ち度ですから。まあ振られちゃったわね。ベーナポティク、その言い方はどうかと思うぞ、シノン君。あんた気づいてる？彼女、ずっと緊張しっぱなしの状態なの。まあ、ドロシーからしてみたら、敵に囲まれながら旅してるようなもんだからな。でも、元ソロプレイヤーの視点からすると、人を怖がっているというよりは。あら、奇遇ね。私もよ。だから彼女のことは気になっちゃうのかしら。何か今回の旅って今までで一番モヤモヤする。おお、メシポルペティフォロー、メシポルウェイ。ドロシーのこともそうね。きっと知れば知るほど。メアンドズディーン、オッケー。もし戦わなきゃいけなくなった時に自分が弓を射ることができるかわからない。OK, on peut aller là-bas. Nouvelle zone atteinte. OK, donc ils m'ont filé l'armure, nickel.ちょっと待った。なんだそいつは。
名瀑の香水の効果が切れたか。Le parfum ténébreux s'est dissipé, comment ça? 俺はここを契約者が来るまで守るよう言われてるんだ。怪しい奴は近づけるわけにはいかない。そこのそいつ、その格好は暗黒騎士か。にしては肌の色が。噂に聞く。Un clarium, je pense que c'est. え？言われているのはドロシ。あ、そういえば、この町の人族は。そうか。ドロシはどちらかというと、人海寄りの容姿なんだ。Oui, enfin bon, elle a une armure comme vous, bande d'abrutis, quoi. ちょっと前を失礼。私が契約者のカイナ。私の顧客に失礼な物言いは控えてもらいたいですね。こちらは暗黒騎士団団長シャスター様直で戦い。Alors, ça l'ouvre moins les chevaliers là, hein? 暗黒騎士団団長の直弟子ドロシー。もしかしてあの滞在の子供？ Attends, toi, t'es un garde, toi?人の話を聞かない方ですね。十校直属の部下に非礼をすればどうなるかわからないというなら私はか。それはそのすまなかった。Ouais, c'est ça. 俺はもう役目。はい、報酬は商工ギルドから受け取ってくださいね。うん。はい、すみませんドロシーさん、手配したのはうちのギルドなんでよく言いつけておきます。Je lui passerai un sacré, quoi. いえ、さあサライ行きましょう。皆さんも旅の疲れを癒しましょう。なんだか穏やかじゃないわね。もういいもん。滞在の子供ってなんだろう。多分ドロシーのことなんだろうけど。何か隠しているのか。海難に準備が整ったと言われるまでこの地域の周辺を散策するか。和平会談に有効な情報もあるかもしれない。ドロシーのことも気になる。一度話せる機会を作らなきゃな。Merde, j'ai oublié de remettre l'enlever la cam, désolé. Yeah.Bon, tu vas te promener dans la ville des échanges, je viens avec toi. Ah. Très bien, je voulais simplement jeter un œil dans le coin. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, on s'en fout. Hop. Alors, vous avez débloqué un centre d'opération dans la ville des échanges. De nouveaux personnages peuvent désormais rejoindre votre groupe. Ah, Medina, Rougou, Estrella, d'accord. Filia Seven, Rain, Première Tia, ok. Zeliska, Korea, Solitaire.Ouais, mais attends, mais oui. Ok. Ah. Bah, ouais, cocotte. Doroshi, Riva a un sampo s'assoté. Il était qui t'aime, oui. Oui, il est de ce moi. Yata! Desma, Sarai.こんなことを召喚もあまり言いたくはないですが。What? Pourquoi elle dit ça? Quand tu étais dans l'écran avec les équipes de perso, me tri... Ah d'accord, ça détruisait la rétine. Ok, c'est chelou. Créer compliqué. Il... Ah oui, d'accord. 召喚たちは暗黒怪人。彼らは人怪人。住む。あんまり。わ
かりたくない。ドロシーはあんまり仲良くしないよね。でも変だよ。C'est vrai qu'elle est bizarre pour ça. これから仲良くするために来てるのに。サライ、召喚は暗黒騎士です。もし和平会談がうまくいかず、やはり戦争になった場合、召喚は。Après, je peux comprendre son point de vue. Je peux comprendre.殺すにしても殺されるにしても辛い。皆さんがサライによくしてくださっているのは召喚も知っています。召喚もたまに立場を忘れて接してしまいます。でもだからこそです。悲しくならないために。みんなとなら仲良くできるよ。戦争なんて起きないよ。召喚もそう願っています。でもまだ起きない。これから仲良くなるお話し合いするのに殺すとか言わないで。召喚だって言わなくて済んだらいいと。ドロシー、Elle est bien triste, la madame. Tiens, salut. Doroshi, Hitorika. Kirito. Hi. Kimi mo Hitori deska. C'est vrai que je suis toujours entouré de nana, moi. Soka. Mezurashi kana. Keko, tandok kodo oi ho nan dakido. Jinkai no wahei shitetsudan no chusu wa kimi da to omotte imasu.ça c'est vrai. なんでしょう。あまり好き嫌いはなくて。サライと仲がいいよな。きっかけは？召喚の上官にあたるリピア・ザンケール様が運営する孤児院についていった時からですね。あの子は孤児院でも浮いている方で、力が弱いのですぐいじめられるんです。それを助けているうちに。あのキリト？キリト？何か暗黒界の情報活動でもされているのでしょうか。聞きたいことがあれば。ああいや、ただドロシーと仲良くなりたいからいろいろ聞。キリト。キリト、ダメです。なんでだ。仲良くなりたいって。そんなに悪いことか。ダメですよ。ダメです。召喚と仲良くしようだなんて、道中で困った時があれば見捨てて逃げる。それくらいの気持ちでいいです。Elle a une mauvaise opinion d'elle-même sur le truc. 君たちは和平会談に出なくてはならない。その結果次第では、そうでなくても。召喚は良くない存在なのです。あんな奴と仲良くしなきゃよかったと恥をかくような、一緒にいると後ろ指を刺される存在なのです。キリト、優しくしてくれてありがとう。でも召喚と仲良く。 Alors déjà c'est pas à toi de décider, c'est aussi à moi, hein?Non mais où? Tu vas te calmer, mademoiselle. Yappari. Nanika iroiro tishio ga aru nda na. Kedo, anna kanashisou na kao de iwarete, hikisagareru ka yo. Dark Territory no koto,
ドロシーの立場、そういうことをもっと学んでいかないと。交易街に到着して何日か経ったが、オブシディア城へはまだ入れず。D'accord. Du coup. キリト、今日はまだ行っていない方へ行ってみようか。あ、そうだな。それにしてもユージョ、ダークテリトリーを歩き回るの意外と積極的だよな。うん。最初は和平会談の交渉に向けていろんな情報をって思っていたけど、今は知らない土地を歩くことが楽しくなってきてるかも。わかるよ。人海とは違うものが多いもんな。それにね、現地の人の考えとか風習を知れば知るほど、不思議と最初に感じた怖さはなくなってきて、ここで細々と暮らす人たちのためにも和平に向けて頑張りたいと思えるんだ。だな。お互いを知るのってやっぱ大事だよな。ねえ、まだ帰りたくないよ。もう少しお外にいたらダメ？ダメよ。遊ぶ時間は決めていたでしょ。そんなわがまま言っていたら、鉄血の守護獣に連れて行かれますよ。Ben non, j'ai pas eu d'être mangé. 鉄血守護獣？鉄血の守護獣よ。暗黒神ベクタ様は大地も空の星々さえ噛み砕く獣を飼っていたというわ。遥か昔、鉄血の時代と呼ばれた頃、今よりも暗黒界は不穏だった。親の言うことを聞かないわがままな。ウェッシ、頭からバリバリバリ、ムシャムシャ。エルペテレプロエル。Mais elle a pété un boulon, la gonze! Ah oui, non, c'est creepy de ouf, ouais! Ok. Elle y est allée à fond dans son rôle, quoi. On m'a tassé, je suis là. 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 Je suis là.D'accord, donc jusqu'à destination, je ne sais pas que c'est où, mais on va voir. Yoroshi desu ka na? Les monstres sont coriaces, méfiez-vous. Ah, d'ailleurs. Ah. Ça y est, on va quitter le territoire. Les histoires de parents font peur à leurs enfants. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, donc du coup, on va changer de territoire. On va passer ailleurs.Oh oh.Ok. Sentier. Sentier de montagne. Ça va, j'ai bien fait de faire la démo quand même. Ah. Je peux pas y accéder ici. Ok. Sko si kyuke si yoka.ドロシー、これ秘蔵のシラル水飲んで。ありがとうございます。あの、一つお聞きしても。お、なんだなんだ、なんでも。人界ではベクタ様の話は馴染みがないのでしょうか。ああ、そうだね。現地の人ほど詳しくはない。でも、俺の場合というか、俺と俺の故郷の仲間は。Aha! On va en apprendre un peu plus sur le petit Hector! Non, Victor, pardon, pour Victor. 人界でも暗黒界でもないリアルワールド。最果ての地よりさらに向こう側にある別世界からリアルワールド地。それがあなたたちだと。本当はここがラースという企業が作った仮想世界。俺でも
君たちは AI だなんて話しても納得は難しいだろうし、させて。でも召喚と変わらない姿をしています。とても別の世界の民とは。変わらないよ。違いなんて大してないさ。ただ生まれ故郷がちょっと違うんだって思ってくれればいい。うん、育った環境が違うだけだって受け取ると混乱しにくいかな。さあ休憩終わり。Attends, on n'a même pas appris sur Hector, là, sur Victor. Je sais pas pourquoi je parle de Hector, non, non, de Victor. Là. Bon, d'accord, soyez tous prudents, ok, pas de problème. Compris, donc restons tous sur nos gardes. Ne soyez pas trop tendus, on va vite t'épuiser, Kirito. Je trouve bien trop détendu, Kirito, ça, c'est ça, reste cool. Exactement, bon, allons-y. Tu vois, ça c'est pareil, là ils auraient pu le traduire, lui, reste cool. Quand ils le font, tu vois, c'est trop bien. Donc, du coup. Oh, il y a un point de TP. Ok, attends. Ah, bah voilà! Merci! J'aime bien sa voix. J'aime bien, je vais le garder. Message. Ben voilà. Au tout début. 150 d'expérience, ok.切るのは至難の業かと。天界の加護？人界を庇護している天界の神様は生活に土着したものが多いんだ。みんなもこの世界での生活が板についてきたし、もう名前を言える神様は。ils vont parler des six dieux。はい、私わかる。創世神ステイシア様。ステイシアの窓も。この神様が由来だよね。 forcément puisque c'est toi。 太陽神ソルスも有名ね。ソルスの光ってみんな言うでしょ。暗黒界が暗いのはソルスの加護がないからなのかしら。はい、私は地震テラリアなら知ってるよ。あと有名どころだと家神イグニア様、風神アエリア様、あらデスドレペイだか、ブラディア様かな。信仰している人も多いよ。剣神グラディアか、かっこいいな。それらの神々は天界にお住まいで人界に降り立つことはありません。ただ伝承のみ残されています。ふむふむ。そして暗黒界はベクタって神様に守られているってことですかね。守るというよりは支配神という形ですね。暗黒神ベクタ、またの名を安心ベクタ様は圧倒的な力でこの暗黒界を統治される闇の帝王たる存在なのです。だからこそ暗黒界には力こそ全てという弱肉強食の思想が強く根付いているのだと。我ら和平賛同派にとっては恐ろしい相手です。ベクタ様は人界の神々と同様にこの地に降り立つことはなく、今は身を潜めておられますが、もしお戻りになることがあれば、暗黒界のありとあらゆる生き物はベクタ様のご意志に従わざるを得ません。そして天界の神々と敵対しているベクタ様がその庇護を受けた土地と和平を組む選択は。On le connaît bien, nous, ce Victor, nous, hein? ええ。相入れぬ神同士が敵対しているからこそ、その神々の影響下にある我々も自然とそうな。なるほど。神様や信仰が関わってくるとなると、特に暗黒神ベクタって神様は怖いですね。警戒しておきたいが。相手が神様だとどうしようもないな。はい、
常に最悪を想定して動くべきでしょうが、こればかりは。キリト君、どうしたアスナ、ここへで。こっちに来る前に菊岡さんから聞いたんだけど、アンダーワールドの神様は設定上の存在で、ランスの職員がアンダーワールドにログインするときに使うらしいの。神様の名前がついたものは私たちがログインに使っているのよりさら…なるほど。この世界を直接管理するときはそういった存在を隠れ蓑にして降り立つってわけか。つまりベクタも誰かが暗黒界に降り立つためのアカウントってことか。うん、だからラースの人たちが動かない限りはベクタの復活はないはずだよ。D'accord, donc il y aura quand même une attaque sur le raft alors, si je comprends bien du coup. Pour qu'ils piratent leur truc. Oris. Oh, yé. Ankokushin Bekta が復活する時があれば、と考えていました。我々は。やらざるを得ないのかもしれません。何をだい？神殺しすらもです。すごいことを考えるね。しかし我々はもう似たことはしているのですよ。そうか、僕らはもう神様みたいな人を一度手にかけたことがあるんだった。Oui. ええ、最高司祭様はまさに神に等しい方でした。しかし、また同じことが起きても、En vrai, c'était même plus qu'un dieu. Elle avait accès à tous les trucs, donc elle pouvait faire ce qu'elle voulait. 大切な友人を守るためなら、きっと。そうだね。大切な友人を守るためなら、僕も神様だって手にかける。次はどこに行こうか。オーク族の領地はどうですか。和平会談の熟考が統治する場所はある程度見て回った方がいいかと。おほう、そうだな。もし和平が結べたらって考えると、そこはお、Ok, donc nous nous sommes tous bien reposés. Partons pour le territoire des orques. Les orques, donc bien sûr, c'est parti. Donc, du coup, merci d'avoir été sur ce petit stream. On va commencer forcément à avancer petit à petit dans l'histoire principale. Là, on va aller, mine de rien, rejoindre le château pour faire ce truc de la paix. Donc, ça va être très très cool. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Donc, d'ici là, je vous dis portez-vous bien. Sinon, pour ceux qui sont sur les streams, je vous dis. Peut-être à tout à l'heure, sinon. Donc, voilà. À plus tout le monde.